closed that are living in our minds and in our hearts, we can now embrace the spirit of Haitianness, the spirit of togetherness, the spirit of dignity. I wish you well and excellent evening. Vive Haiti. Ok, merci bien. Et nous mettons Chita. Nous avons reçu vos questions. Merci, nous mettons Chita. Et j'en ai déjà gagné à peu près 4 qui viennent joindre nous. Et gagné 2 jolies demoiselles qui ont même qu'à ramasser. Donc, mesdames, vous êtes capables de venir prendre pour nous. Lorsque vous prenez eux, vous remettez avec staff qui marche avec l'équipe Monsieur Duvalier. Et puis, après, questions viennent joindre nous. Donc, moi, j'ai un mec qui levait avec plusieurs questions. Donc, nous avons déjà reçu 4 qui déjà screen par l'équipe là. Donc, il y a une question qui vient là, alors je vais le cadre là-dedans qui dit Haïti, c'est un pays fatra, et qui ça qui plan par où pour capable de nettoyer? Je fais tout le point, hein. Nous toujours tendez Haïti, son pays fatra, ou bien son pays qui finit. Je ne suis pas d'accord avec nous. Le pays n'a pas de problème. Nous avons un problème dirigeant dans le pays. Nous avons. Nous avons un problème dans l'État qui n'est pas responsable, qui n'est pas prend responsabilité. Depuis le jour où nous avons l'État qui est responsable, avec des dirigeants qui sont responsables, tout le pays a pris responsabilité et au pape, je ne fais pas ça encore. Il y a une question que nous avons encore qui vient de nos deux équipes, M. Duvalier, après Screening. Alors, les questions en ligne. Peut-être qu'il y a une supposition là-dedans. It says, I'm reading, when you become president in 2022, what is your strategy to natural resources of the country, especially tourism and industry? Les amis, j'ai besoin de mettre Charles Soudoum. Non, question ça, un petit genre prématuré pour le moment. Mais concernant les ressources naturelles, oui, nous connaissons que Haïti a pile ressources naturelles. Mais il ne s'agit pas d'exploiter les ressources naturelles seulement pour nous joindre profit, etc. D'ailleurs, moi-même, plus peur que nous exploiter les ressources naturelles avec l'État que nous gagnons aujourd'hui là, nous pas privé aucun côté. Avant ça, c'est pour nous mettre cadre légal là, pour bagailler ça, on va nous commencer à exploiter. Et c'est le ça seulement que nous sommes capables de commencer à exploiter les ressources naturelles. Et nous sommes obligés de prendre en compte. Parce que exploiter les ressources naturelles, il est toujours venu avec problème pour l'environnement. L'environnement en Haïti est en dégradé en pile, il est en trop dégradé pour ne pas rajouter problème sous lui. Donc c'est un problème qui est assez complexe et qui méritait en pile étude avant de commencer à aborder. Ok, une autre question, Julie. Vous avez énuméré une série de cas d'insécurité. Quelle doit être. Je dirais une approche holistique pour remédier à ce mal qui ronge le pays. On parlait de plusieurs types d'insécurité. Ou bien insécurité criminelle que nous tous connaissons. La diaspora, par exemple, nous sommes dans l'aéroport là. C'est plus pour que sauter nous gagne. C'est bandit qui cabine jouer nous sur route là. Mettre des armes sous nous, voler tout ça nous gagne. Ben, ça y est. Mais ce n'est pas seulement la sécurité qui vient, je m'étais dit précédemment. Nous n'avons pas de pompiers. Nous avons plus de 12 millions d'habitants dans le pays, nous n'avons pas plus que 15 000 policiers. Nous étions au Boy l'autre jour. Au Boy, il y a au moins 40 000 habitants et plus dans ces, dans ces environs. Nous n'avons pas plus que 4 policiers dans toute ville. Donc, qui sont 4 petits policiers, ça y a fait devant. Devant vagabond. Et vagabond, yo gazam. Yo gazam passe la police. Nous besoin renforcer et force de l'ordre. Nous besoin entraîner yo. Continuer faire en sorte que yo professionnalisé. Mais c'est pas ça seulement. Nous besoin plus d'éducation. Nous besoin plus. Nous besoin retourner avec instruction civique.
C'est instruction civique qui permet jeune yo connaît qui sac droit yo qui sac devoir yo. Sans ça, c'est un troupeau qui s'abège. Il y a deux questions qui sont séparées de même. Gayon qui dit Haitian borns who become US citizens should have access to a Haitian passport like Cubans do. And the tax will also help the country development. Again, a lot of countries like Norway and Israel have set up investment funds that is invested in the stock market to benefit the citizen and public work of their countries. How can we do this for Haiti as well? Bon, encore une fois, on a besoin de faire un pile arrangement au point de vue de constitution. Ça, on quitte ça dans le parlementaire. Pour deuxième partie, moi bien dit, la Banque de développement de la diaspora haïtienne qui a fonctionné tant qu'on hedge fund par exemple, nous bien investi là-dedans, qui a des projets qui sont soumis à étude pour validité avec des audits généraux. Parce que ou pas qu'à faire rien, ou pas fait audit, sinon pas auditer tout projet. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui vient de jouer directement pour des questions. Il y a deux demoiselles qui apprennent à passer. Avant, ils viennent de jouer, ils sont supposés aller jouer. Ok. Donc, moi, je viens de signal d'équipement pour que nous balancer. Donc, il y a une question qui dit Monsieur Nicolas Duvalier, je vous remercie pour votre exposé. Ma question est la suivante. Vous n'êtes pas sans savoir que votre père et votre grand-père ont été tous deux des dictateurs et ont commis des crimes contre l'humanité. Quelle serait votre réaction vis-à-vis d'eux si vous seriez à la tête du ministère de la Justice? On va pas le refaire l'histoire. Oui, c'est petit Jean-Claude Duvalier-Moyer. Oui, c'est petit François Duvalier-Moyer. Ça n'a pas besoin de changer. Cependant, de par mon expérience, j'en m'étais dit, et plutôt dans le discours là, moi j'ai passé 25 années en France, la France qui aurait été le pays des droits de l'homme. Donc, moi élevé avec différents principes, moi grandi avec différents principes, moi fait expérience différents principes. Je pas toujours capable de faire expérience ça, pour me retourner avec une série de bagailles qui n'est pas reconnue par le droit international. Qui message réconciliation ou bien pour Haïti? Les amis, là, pour nous mettre différence nous de côté. Que ces différences de classe sociale, mon barre mes discours ça, sont des barres qui frappent le monde en Haïti, à faire mon en haut, mon en bas, hein? Ce barre moi ouais, c'est toute barre était en bas. Ok, a fait distinction de couleur, de classe sociale, etc. Il n'y a pas jamais marché, il n'y a pas jamais donné. Nous voyons ça à travers le monde, il n'y a pas jamais bâillé aucun résultat. Donc on essaie de faire l'autre bagaille. On chita une ensemble, on colle les têtes pour nous voir qui j'en ai capable de mettre du pays à sous bon genre de développement. Monsieur Duvalier, pensez-vous qu'il y a un autre moyen? Pensez-vous qu'il y a un autre moyen autre qu'une dictature progressiste et moderne qui peut vaincre l'anarchie qu'il y a en Haïti actuellement? Oui, mais mon dictature, il ne s'agit pas de dictature. La dictature n'a plus sa place aujourd'hui. On a parlé de rétablir l'autorité de l'État. Bon, même j'avais qui c'est. Il y a la loi, si vous ne pas respecter la loi, il n'y a pas de bâton pour vous, légalement. Pas gain affaire de privilèges ou quoi que ce soit, il y a que ces sénateurs, congressmen ou superstars, depuis que vous violez la loi, il y a des sanctions pour vous. C'est ça nous besoin en Haïti, c'est pour nous combattre l'impunité, hein. C'est pour nous appliquer le loyau là. Il y a des lois malheureusement qui ont été genre anciens, qu'on n'a pas obligé de réadapter à la réalité pays. Hein. Mais il faut que nous appliquions la loi, aussi simple que ça.
Est-ce que la facile pour un jeune garçon kankou gagne assez courage pour kembe charbon sans qui gagne tant les mains dans des bouts? Dans des bouts qui côté ou à kembe? So, est-ce que la facile pour un jeune garçon gagne assez courage pour kembe charbon diffé qui gagne tant les mains dans des bouts qui côté ou à kembe? Gampi l'insinuation dans la question. C'est pas l'affaire d'un homme, moi dis-nous ça. C'est l'affaire de toute une collectivité. Quelle est votre vision politique? De serez-vous dans les serez-vous dans les prochaines élections comme candidat à la présidence? Je vais répondre à question ça. Question ça, on dit genre prématuré à soi. Et puis nous pas là pour nous parler de ça. Nous venons là pour parler de rôle de la diaspora haïtienne dans le futur de l'Haïti. Histoire racontée sur la coopération d'Haïti et autres pays pendant le tremblement de terre du 12 janvier 2010. L'histoire du 7 et 8 juillet 2018, insécurité de toutes sortes. Raconter la collaboration de l'un l'autre, Haïti était la perle des Antilles. Pour que cela soit possible, il faut une prise de conscience de part et d'autre. Comment cela va-t-il être possible? Nous avons besoin au vrai éveil de la conscience collective. J'en dis là, sont affaires de collectivité. Nous besoin reprendre sens civique nous, pour le pays à rejoindre dignité. Quelles sont vos premières priorités et votre plan d'action pour améliorer les principales priorités et problématiques environnementales dans notre société? Pourquoi voter pour M. Duvalier? Nous mettons des ministres de l'environnement en question ça. C'est notre job là. N'a pas approché vers la dernière question. Et j'ai noté dit ça. Alors nous recevons toutes les questions. Nous seulement voulons pour transparence, voulons accorder chance à un grand monde seulement pour poser des questions directement. Et ça va être ici, monsieur, ou mettre campé un seul grand monde que nous voulons faire interaction pour poser en question. Allez, vas-y. Désolé, ça va être tout. C'est pas vraiment, comme quoi, c'est pas vraiment question, mais c'est en gros quelques remarques que nous faisons, nous jugeons que c'est important. Et on n'a pas coupé président, monsieur François Duvalier, capable de réagir sur vous. Vous avez parlé de diaspora, implication liée dans le développement pays. Mais nous-mêmes, nous notons que pas être dans la diaspora ici, qui fait que le pape est capable d'arriver impliqué de manière objective dans le développement pays. Vous dites remarque que nous faisons, nous pensons que l'organisationnel, la diaspora haïtienne est morcelée, il n'est pas monolithique. Ça veut dire que c'est chaque type de monde qui a réglé la paix. La communauté espagnole, c'est une communauté qui organisée, la communauté chinoise là, il est organisé. Un chinois, elle sortit en Chine d'entrer aux États-Unis. Le groupe chinois qui a préparé pour lui déjà pour permettre l'intégration dans les États-Unis. Ce n'est pas pour nous-mêmes parce que nous morcelés, nous ne sommes pas monolithiques. Deuxième bagaille, top brass, diaspora haïtienne, lui. Qui est totalement séparé du reste haïtien. Donc, Brasla n'est pas dans la communauté, hein, vraiment. Là, il vit de l'autre côté. Il a cherché à vivre dans la gate community. Il a cherché à vivre dans la communauté blanche ou bien communauté latino. Donc, Brasla, ça veut dire élite. Élite, là. Ça veut dire monde qui est formé, qui est comme il n'est pas vraiment assemblé avec ce peuple-là. Il est plutôt à fuir. Quand il est haïtien, nous connaissons qui est comme. Quand il est haïtien qui est bien formé, qui travaille même dans l'ASA. Pour haïtien qui est lui-même qui est responsable, transfert de l'eau. De Californie, sorti dans l'autre état, entré dans Californie, personne ne va comme ça, mais elle va identifier des pays comme haïtiens. Ça veut dire que là, pas capable de gagner vraiment le développement que la diaspora est capable de faire. Et dans l'aspect économique, là, nous dit que la diaspora haïtienne est fondée sur ça, le QNC, transfert de devises, et ça seulement nous fait. Nous voulons l'argent, depuis nous voulons l'argent, ça n'est pas capable de faire.
que nous développer parce que c'est investissement qui vous fait de manière organisée, de manière planifiée. Est-ce que c'est une question? C'est non, on a dit que c'est des remarques que nous avons fait pour diaspora qui fait que le développement n'est pas capable de porter le vraiment. Okay. Et puis nous fait plus pour nous. Oui, on a dit que l'aspect social, nous allons être rapide, l'aspect social là, nous dit que diaspora haïtienne n'est pas stratégique, il n'y a pas une communauté stratégique. Ça nous est les communautés stratégiques, sont communautés qu'on est capable de compter sur lui. Une communauté capable qui représente un bagage. Sachez qu'il a écrit notre dit haïtien on est à New York. Ce n'est pas à moi pour nous voter, pas à moi pour le faire pour nous. C'est nous qui pouvons organiser nous de façon à ce qu'une stratégique soit capable de considérer nous et que nous fassions des choses avec nous. On voit là, Haïti a crié dans toute la rue pour TPS, TPS, TPS. Si une communauté stratégique, nous allons faire ça. Au papier, moi, Corée a crié pour TPS, TPS. Nous avons continué à négocier avec lui si vous avez fait pour nous faire. Et dernier bagage là, c'est l'aspect administratif. Diaspora pas transféré connaissance en Haïti. Diaspora Batika, même j'avais tout l'autre monde qui va diaspora. Il n'y a pas fait transfert de connaissances, transfert de culture, de manière à ce que l'autre souffle, qui souffle le web. Deux, trois diasporas dans la zone, ou vraiment c'est des gens qui sautent à quelque chose. Merci. Ah, belle remarque. Merci pour la question. Merci. Premièrement, on saute d'île. L'autre communauté est bien organisée. Ça fait nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire le tout. Que c'est communauté hispanique, là, asiatique. Différentes communautés asiatiques ou bien communauté juive là, c'est peut-être un autre bel exemple de solidarité que vous avez une avec l'autre. Mais moi-même m'a posé une question, hein, qui ça fait nous-mêmes haïtiens nous pas qu'à faire le tout. Passons à cette deuxième question ou bien troisième. Et concernant Top Brass, ou t'as dit, c'est ça? On comprend ça aussi, hein? Bon, on pas câbler mes mounio, il y a du travail, pour y'en qu'à jouer à faire. Comprends? Deuxièmement, si vous t'es fait approche, là, est-ce que vous jamais essayé de faire approche avec mounio? Eh bien, c'est pour nous continuer. Il y a des gens qui ne parlent, il y a des gens qui parlent. Sous 10 personnes, peut-être qu'il y a 3 ou 4 qui parlent. Mais ou pas capable de dire que si vous voulez rester dans le confort ou pas, ça, c'est un choix individuel que lié. C'est pour que nous respections ça. Tout. Et. Quelle autre question encore administratif. Non, nous, malheureusement, tant que nous avons dit, nous ne pouvons pas poser la question encore. L'IADE, c'est monsieur qui t'a posé la question. Quel autre aspect dans la question que un moment, merci, mettez-vous, s'il vous plaît. Je vous prie, merci. Je vous prie de vous mettre. Ok, monsieur Duvalier, Mano, quel autre aspect dans la question? Là, c'était aspect administratif. Ça veut dire que le transfert de connaissances, ça veut dire que vous conseillez des côtés capables de développer, pas développer côté sans ressources humaines. Encore une fois, moi je dis tout à l'heure, ressources humaines, c'est base développement au pays. Ça fait partie de problèmes d'insécurité autour. Par exemple, assurance européenne, américaine ou canadienne, il y a un formulaire, il y a un commando dans les 6 prochains mois, est-ce que vous pourrez visiter tel ou tel pays? Malheureusement, Haïti sous liste pays ça. Yo du, si vous pouvez visiter pays ça, assurance la pas couvre. Comprenez? Donc c'est nous-mêmes haïtiens pour mettre quatre là en place, pour nous changer perception ça. Parce que moi pas comprendre pour qui ça. Ma prend exemple la Jamaïque. La Jamaïque ont un taux de criminalité qui est plus fort passé Haïti. Mais ils ont attiré plus d'investissements passé. Pour qui ça? Yo ont un état qui est stable. Il y a une organisation stable, institution bien organisée, tout va fonctionner. Ça va investissement étranger, assurance que l'investissement est assuré, il est capable de venir investir dans le pays. C'est le problème ça que nous n'avons pas en Haïti. Ok, c'est tout. Ça va être tout. On a pas une dernière question? Ok. Ok, merci encore. Est-ce que, bon,
tellement de mains qui levaient. Non, ça, c'est pas une question. Ok. Monsieur a pleuvé maintenant, t'as vraiment. Yes. Et nous disons grand merci pour compréhension et bon comportement merci à tous les compatriotes. Nous. Moi, je voulais d'abord remercier M. Duvalier pour un exposé qui est très vibrant que nous avons fait là. Mais ça n'a pas empêché que nous avons une question depuis au début. Nous toujours tendons que Haïtiens, c'est un peuple très hospitalier. Mais c'est aller plus loin pour me dire que Haïtiens, non seulement les hospitaliers, mais tous les jaloux. C'est pour qui ça, dans le début, hein, nous avons chanté l'hymne national américain avant l'hymne national haïtien. Ça, c'est un protocole. Excusez, il faut que vous respectiez, c'est une question que vous posez. À nos chance pour que le monde qui a droit adresser la question. Merci. Plus tolérant, s'il vous plaît. Deuxième question, c'est le map garde tout compatriote haïtien qui t'a avec une question, même sentir qu'il y a une difficulté pour poser la question. Est-ce que tu dois considérer ça comme une attaque à l'expression? Okay. Une attaque avec. C'est une question quand même. Yes. Vas-y. Mm-hmm. Oui. Est-ce que je dois considérer ça comme une attaque contre la liberté d'expression? Merci, monsieur, pour la question. Pour première question, Mabdio, quitté Samuel répondre parce que c'est président Asian Heroes. Et m'a simplement dit que nous sommes le meilleur pour la fin, frère. Yes. Deuxième question, je n'ai pas fini pour comprendre ça. Mais je me sens qu'il y a une difficulté pour que chaque compatriote qui t'a posé des questions, pour essayer de comprendre les choses. Est-ce que je dois considérer ça comme une attaque contre la liberté d'expression parce que les compatriotes n'ont pas besoin de possibilité pour exprimer? Ok, merci. Nous n'avons qu'un seul intervenant ici. Non, moi je n'ai pas ouvert le conseil. C'est une question de protocole. L'organisateur, modérateur, c'est Samuel Collier, a fait attaque là, je ne sais pas de qui ça va parler là. La question, ça n'a vraiment pas de place. Il n'y a aucune attaque qui fait, pas de aucune discrimination ou exclusion qui fait. Justement, moi, t'as parlé contre ça. Bon, malheureusement, t'as coup, j'ai noté déjà annoncé, le monsieur Duvalier était accepté pour une dernière question, mais nous pensons que nous arrivons dans un moment côté nous pas prendre une question encore. Nabdi, monsieur Duvalier, s'il vous plaît, sous qu'à placer le dernier mot, pour nous, s'il vous plaît. Dernier mot? Yo, Samuel. Lis-le pour nous lever campé, pour vraiment nous commencer à couler tête ensemble, parce que, encore une fois, a fait discrimination, ça, a fait nous pas voulu comprendre ça, l'autre Abdi, nous pas fait effort. Pour essayer de comprendre la position de l'autre monde. Et ça fait que nous n'avons pas jamais réussi à entendre nous. C'est seul le, objectivement, d'une façon neutre, nous sommes capables d'entendre l'un à l'autre, que nous sommes capables de comprendre l'un à l'autre. Il faut que, collectivement, nous éveillions conscience de nous. Que nous éveillions sens civique nous. Pour nous permettre, encore une fois, de payer à son droit de développement. Merci à tous. Ok, merci, nous mettons Fontichita. Merci, nous mettons Fontichita. Nous avons invité tout le monde pour Chita parce que nous avons un protocole de sortie. Et nous avons invité tout le monde. Top, pris Fontichita. Donc maintenant, c'est pas le moment pour M. Duvalier, nous avons honneur pour nous présenter à vous-même les membres, les jeunes de Haitian Heroes qui ont contribué.